Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books pour une nouvelle saison de lecture complètement déprimante. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un extrait du livre Manifeste pour une invention d'une nouvelle condition paysanne, un livre que j'adore, dont j'ai déjà lu un extrait sur le podcast. Mais aujourd'hui, je vais vous lire un nouvel extrait consacré à la voiture. Pourquoi? Parce que cet été, des enfants sont morts, encore, dans une voiture. Quelque temps avant le confinement, une petite fille s'est fait écraser en allant à l'école. Et c'est un désastre permanent sur les enfants. Les voitures, les parents sont terrifiés quand ils sortent dans la rue. Et l'idéologie sociale de la bagnole, comme dit André Gorz dans un texte magnifique que je vous conseille de lire, mais que je ne vais pas vous lire parce qu'il est facilement trouvable sur Internet, montre que notre vie est menacée par les voitures en permanence et qu'il n'y a aucune lutte actuellement pour sortir de ce modèle. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, le modèle de la voiture individuelle n'est pas du tout en recul. Et voilà, aujourd'hui je suis très triste et j'ai donc eu envie de vous lire cet extrait parce qu'il va falloir qu'on interpose nos vies entre les voitures et la population humaine. Voilà, les voitures menace la survie de nos enfants et c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on parle plus. Alors je vais vous lire ce petit extrait que je trouve très bien écrit. Une histoire de l'aménagement du territoire, une histoire du management du territoire. Les produits du capital sont autant les choses que les êtres qui vont avec. L'œuf et la poule, finalement, c'est la même chose. Les statistiques pouvaient aider à prendre la mesure de la démesure. Apprécier ce qui comptait désormais, ce dont il avait fallu s'accommoder. Il se produisait 1 milliard de tonnes d'acier par an sur Terre et 300 millions de tonnes de plastique. Peut-être 10 milliards de mètres carrés d'affiches publicitaires, à peu près 65 millions d'automobiles et 80 millions d'humains nouveaux chaque année. Donc environ 200 fois plus de matière automobile que de matière humaine. C'est-à-dire, sans parler du traitement post-mortem de ces deux types de populations, l'énergie que la biosphère consacrait respectivement à la croissance de la population automobile et à la croissance de la population humaine. Et même si 40% de la photosynthèse terrestre était désormais captée pour le besoin des industries alimentaires, l'automobile consommait 12 milliards de barils de pétrole par an. La population humaine n'en consommait que l'équivalent de 3 millions, dont une grande partie venait directement du soleil, sans passer par les réserves fossiles. Cet appétit démesuré exigeait d'ailleurs que l'énergie des plantes soit affectée aux consommateurs solvables. Les automobilistes qui avaient les moyens de remplir leurs réservoirs passaient avant les ventres démunis. Cependant, une lutte effrénée pour l'existence se produit non seulement pour la nourriture, mais pour le gaz nécessaire, et cette dernière est plus essentielle car c'est elle qui règle la multiplication. Pour assurer la bonne santé de l'industrie automobile, il fallait pomper 2 mètres cubes d'air par minute pour un véhicule équipé d'un moteur 4 temps, de 2 litres de cylindrée tournant à 4000 tours par minute, soit 45 000 km cubes pour le milliard d'automobiles dont on estime ici que chacun roulait une heure par jour d'air. C'est l'oxygène de ces 45 000 km cubes qui disparaissait chaque année dans la respiration automobile. Et la respiration automobile produisait approximativement ces temps-ci 5 gigatonnes de CO2, là où les humains n'en produisaient que 2. Voilà. Combien de temps allons-nous laisser l'industrie automobile tuer nos enfants? Suspense. On verra bien. Merci beaucoup.